Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DayZNetwork.fr et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mad sous les tropiques. Voilà, donc, suite de l'épisode précédent, toujours du côté de Calamar. Et bah, on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Je pense pas que mon véhicule que j'avais planqué quelque part, enfin planqué, c'est un grand... Ah, regardez là-bas, on a un Chinook en phase de décollage, je dirais. Oui. Ah, je vais rien pouvoir faire avec ça, moi. Bon, je pense qu'on va retourner du côté de l'airfield, peut-être. Peut-être essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Je sais pas trop encore, on verra tranquillement. On verra tranquillement ce qui se passe. Alors, ah, j'ai vu un G17. Ah ben, j'en ai déjà un. Le con. Bon, on va prendre les chargeurs, hein. Voilà, j'en ai combien? 4, il y en a encore un ici, je suppose. Oui. Bon, bah ça va. Ah, j'ai entendu des coups de feu, donc il y a encore quelqu'un à part le Chinook. Vite, 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 monte. Encore un G17 là-bas. Alors, à boire, je crois que j'ai déjà bu. Bon. Je peux le prendre, j'ai de la place. J'aimerais bien une petite M4, hein, mine de rien. Alors, petite chose que j'aimerais juste... ah oui, je sais ce qu'on va faire avant. Alors, vous voyez l'airfield est juste ici. Le Chinook apparemment... Ah, on a du mouvement par là-bas. J'ai trouvé une paire de jumelles, si je dis pas de bêtises. Ah, il est juste là, le bonhomme. Je pense qu'il va rentrer dans l'hôtel de ville. Ah non. Ah, c'est un bandit en plus, il a l'air bien équipé. Ah, il est là, le Chinook. Ok. Donc, on va vite rapidement... Vite rapidement. On va vite... aller à la... Il me semble qu'il y a une épicerie. Pas trop loin, quelque part. Je me méfie de ce Chinook, quand même. Si je dis pas de bêtises, il y a une épicerie. Alors, maintenant... Ça fait quand même assez longtemps que... Oula, il y a un autre véhicule. Ah oui, là-bas. Phase de décollage. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait une épicerie. Bon, on va voir. Oh, il y a un quad. C'est déjà ça. J'espère qu'il marche. Il a l'air en bon état. Voyons voir ça. Nickel. On pourrait pas rêver mieux. Bon, c'est quand même assez dangereux. Assez dangereux, un quad. Oh yeah. Quand même pas, hein. Alors attendez, où est-ce qu'elle est, cette... Ah ben voilà, elle est juste ici. Et en plus, il y a un autre quad. C'est après moi qu'il en a, ce zombie. Ah, peut-être pas. Il y a beaucoup de zombies à l'intérieur de ce bâtiment, je trouve, pour que ce soit naturel. Ça me paraît même louche. Ok. Je vais essayer de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de loot en plus. Ok, il n'y a pas de loot. Il y a des zombies, mais pas de loot. Alors ça, c'est intéressant. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, tranquillement? Je vais quand même pas rusher avec le quad jusqu'à l'airfield parce que j'ai quand même... On a repéré un bandit tout à l'heure, donc vaut mieux y aller en sneak. Putain, y a énormément de zombies, c'est dingue. C'est un truc de barge. Et en plus, y a pas de lootage. J'aurais vraiment aimé un sac à dos, moi. Bon, je vais me diriger par là, tranquillement. Putain, y a plein d'hélicos dans le coin, c'est dingue. Je les entends de tous les côtés. Ah voilà, juste là. Ah bah c'est celui d'avant. Il y a toujours quelque chose ici. Alors, juste un petit truc que j'aimerais rapidement... Un point sur lequel j'aimerais... venir assez rapidement. C'est le forum. Et notamment... la section
des problèmes techniques. Il y a quelques-uns d'entre vous, enfin d'entre vous, je ne sais pas, mais il y a quelques personnes qui utilisent la section problèmes techniques pour venir dire qu'ils se sont fait bannir. Ce n'est pas la bonne... Ah, ce n'est pas la bonne section pour... Il y a vraiment... Ah oui, d'accord. Ok, je crois que j'en ai jamais vu une en direct. Excellent. Il y a une section dédiée au bannissement abusif. Donc, utilisez-la. Honnêtement, quand j'en vois, je lis même pas. Voilà. Je réponds, mauvaise section, mais je lis même pas qui, quoi, comment, pourquoi. Ça m'énerve, donc je lis pas. Alors, là-bas, on a un C130. Et là, on a un petit coucou. Il est où? Il est là. Je suis plus tenté par le C130. Ah, attendez. Il me semble que j'ai un... Ah non, non, j'ai rien dit. Je croyais avoir déjà un GPS. Ah, il y a même un hélicoptère là-bas. Je vais peut-être essayer de ramper jusque-là. Attendez, non, vous savez quoi? On va faire plus intelligent que ça. On va se servir des jumelles. Pour jeter un rapide coup d'œil à ce care package. Ah, il y a l'air d'y avoir pas mal d'armes quand même. Mais il y a aussi pas mal de zombies. Je pense qu'on va y aller en sneak. On va ramper. Dès que je commencerai à me rapprocher. Parce que je me méfie toujours du bandit qui avait... Bon, là, il n'y a pas l'air d'y avoir de mouvement de zombies. Hein. Il était allé sur la piste. Et là, maintenant, je vois pas de mouvement de zombies. Donc, c'est assez rassurant. Bon, après, rien n'indique qu'il n'est pas quelque part là-bas. D'autant plus qu'avant, on a eu un crash vers là. Donc, on va quand même se méfier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Ah, y a quelqu'un qui se barre avec le quad. C'est quoi ça de nouveau comme arme? J'oublie tout le temps. Je crois pas que ça va me plaire. Oh, c'est pas dégueu. C'est pas celui-là où on peut changer de... Ok les amis. En même temps, fallait avoir de l'espoir pour défoncer un C-130 avec une arme comme ça. J'espérais plutôt toucher le pilote, à vrai dire. Bon, bah, ça devait être le bandit. Ah, il y a un skin là-bas, il y a encore une arme. On a un sniper par là. Il y a énormément de trucs, hein. J'adore ces car package, franchement, c'est la classe. Ah, un GP25, je me demande si c'est pas compatible avec mon arme. Ah oui, GP25. Bon, c'est pas une HE. En revanche, je vais quand même récupérer ce bandage. Voilà. Donc on a un sniper là. Oups. Il refait un passage. Ne bouge pas. Heureusement que ça peut pas larguer de bombe, parce que là, je serais dans la merde la plus totale. Ok. Alors là, on a une PSO. À quoi ça correspond? C'est une ACOG? Ouais, c'est un style d'ACOG. J'aime pas du tout. C'est bon, j'ai tout repris. Et là, il y a, on dirait, quelque chose comme une mitrailleuse. Alors attendez, je vais juste voir ce que c'est, ça. Oh, soldier. C'est bon, ça. Vas-y, on voit. Oh, yeah. Ouais, non, ça, c'est une mitrailleuse lourde. J'aime pas du tout. Bon, et eh ben, le C-130, il est parti. Il me reste l'hélicoptère. Je vais essayer de voir d'ici s'il est en état. Parce que ça a quand même une trotte. Il a l'air pas trop mal, hein. Les vitres n'ont pas l'air complètement déglinguées. C'est à tenter, c'est à tenter. Faut que je me méfie du quad là qui en approche. D'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à apparaître sur la piste. Ah non, il s'est arrêté. Ça va être dangereux, ça. Je suppose qu'il est quelque part par ici, le quad. Ah ouais.
Alors là, ce que je vais faire, je vais tranquillement attendre qu'il remonte sur son quad. Je pense pas que je l'ai eu. Je pense pas qu'il soit mort. Ça y est, c'est bon. En plus, je suis mais genre à découvert. À 3000% quoi. Bon après je suis immobile. Donc je me dis, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Il a pas d'autre. Enfin si. Il pourrait très bien sortir et ne pas aller dans son quad. Ça c'est une option. Mais s'il veut son quad, il a pas trop le choix. Oh, j'ai aucune idée de comment on tire ce truc. Ouais, oh, hey, excellent le tir, regardez ça. En plein dedans. Dommage que ça l'asphyxie pas. Ça aurait été bon ça. Le mec obligé de sortir. C'est vrai que ça pourrait être une idée. Bon, faut aller le chercher, je crois. Où est-ce qu'il est ? Ah merde, il y a l'hélico qui se barre. Ah bon, moi je vais récupérer un SUV. Alors où est-ce qu'il va ce zombie ? Il a l'air d'aller à l'étage. Donc il y a moyen pour qu'il ait aggro. Ouais, il n'y a aucune raison que le zombie aille à l'intérieur. Donc il est clairement à l'étage. Alors là c'est bon, j'ai une assez bonne vue. Mais bon, après ça se trouve il a déco. J'ai une vue sur cet escalier, sur l'escalier là. Ah d'ailleurs il est là. Ah non, c'était juste une ombre. Et si la déco, je rage à fond. Très bon, c'est d'aller envoyer une grenade. Maintenant, j'ai jamais vraiment testé le ricochet avec la grenade. Parce que je pourrais très bien aller dans l'escalier, tirer vers le mur en face de moi. Oh non! Oh putain, je l'ai vu trop tard. Ah, c'est con ça. Et c'est reparti. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'avais cherché. Alors, eh ben moi qui voulais spawner ailleurs que dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon, mes voeux. Enfin, ma prière a été exaucée. Je spawn à Cordo, c'est dans le sud-ouest cette fois-ci. Donc, je sais pas encore exactement où je suis. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être ici. Alors, je viens juste de repérer un crash d'hélicoptère. Je vais essayer d'y aller sans trop me faire spotter par les zombies. Parce que là, c'est comme si j'y allais sans armes.
Le must, ce serait quand même trouver un car package. Hein. Parce que ça, c'est du stuff assuré. Et pas de zombies surtout. Parce que là, cette fumée... Ah, ils sont déjà là, les zombies, en plus. Ah merde, il y a même un campement militaire. Ah bah au moins, ça va peut-être m'aider à me localiser. Ah bah oui, voilà. Je sais où je suis. Excellent. Ce qui serait bien, ce serait une... Oh, il y a même une Jeep. Ah, j'ai repéré une entrée par derrière. Excellent. J'espère que ça va le faire. Ouais, donc je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai repéré une épicerie. Ah merde, il y a un zombie juste là. J'ai repéré une épicerie pas trop loin, à Zuela. Alors je vais pas encore vous montrer sur la carte, hein. J'en ai pas sur moi et je préfère un petit peu avancer plutôt que de faire un petit point carte. De toute façon, vous me regardez jouer et puis vous verrez bien. Où est-ce qu'il est passé les zombies? Il a l'air pas très loin, je l'entends vraiment bien là. Ouais, je vais aller juste là. Ah, il a l'air en excellent état cette petite Jeep. Avec un peu de chance, je vais avoir de quoi me stuffer pour aller au crash d'hélicoptère. Ah, vous savez quoi, je vais faire une pause, il faut que je me mouche. Et c'est reparti. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il y a un hélicoptère dans les parages. Allez. Ah tiens, j'ai un Makarov. Ça doit être nouveau. Ça, c'est une bonne initiative. Oups. Laissez-moi tranquille, les zombies. Et je vous dérangerai pas. Allez, allez, passe, merci. Alors, à manger, ça je peux m'en débarrasser tout de suite, hein. Ça prend de la place pour rien. Le Makarov, vas-y, envoie. Et le soda. Ah, il y a la boîte de conserve aussi. Ah oui, je vous avais dit qu'il y avait une marque, une canette Heinz. Bah, c'est celle-ci, ça, les Baked Beans. Les haricots, c'est Heinz. Et donc ça, de même que Pepsi et Coca, on ne les aura plus dans la standalone. Voilà. Donc je vais retrouver mes mots. C'était les haricots. Voilà. Je ne savais même pas que Heinz faisait des haricots. Maintenant, on le sait tous. Sérieux là? Oups! Cours! C'est la merde. En plus, je suis sûr que j'y vais pour rien. Voilà, pas d'armes. Même pas de stuff. Non, mais t'es sérieux là? Rien du tout. Ok. Voyons voir rapidement ce crash d'hélicoptère. Vraiment rapidement parce que je le sens super mal. Et après, je. Ouh, un AS-50. Moi la paix. Oh, et en plus tu me fais saigner. Oh my god, mais comment est-ce que je fais pour me mettre dans des situations pareilles, moi? Ok, allez. Faut que je fasse un choix. Mitrailleuse. Dépêche-toi, 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 tu vas tomber dans le coma. Ouf. Voilà, il est où le problème?
Le problème, c'est que j'ai perdu la moitié de ma vie. Bon, maintenant on va peut-être pouvoir faire un choix un peu plus calme de l'arme que je vais prendre. Ah non, il y en a encore un. En revanche, là, ce mode-là, il m'énerve. On a quoi? C'est un S50, ça? Ah non, un essentiel. Bon, ça se ressemble quand même pas mal. Et ça, c'est quoi? Un AWS? Non, ça, c'est pas la peine. Bon. Bon. Ah, dommage qu'il vient pas plus près. J'aurais pu me le faire. Putain, je suis complètement perdu. Waouh, c'est indestructible ces trucs de toute façon. Alors. Allez, à l'abri. Ah, on se sent mieux, non? Ok. Donc, maintenant que je sais où je suis, je vais me diriger vers Zuela, donc c'est vers le nord. Encore faut-il que je trouve le nord. Bon, ça va pas être compliqué, vu que je sais où je suis. Voilà, on part d'ici. On prend à droite et à droite. On va tester ça. Au passage, un petit roadkill. Voilà. Moi j'ai dit à droite. Ah, c'est rapide ce truc, mais pas en off-road. Mon dieu. Sinon, ça fait des pointes à 110. Ah, faudrait pas que je m'approche trop non plus en véhicule, sinon. Les trucs dans l'épicerie, ils vont pas pop. Ah merde, elle est déjà là, l'épicerie. Sur quoi est-ce qu'ils courent, ceux-là? C'est sur moi qu'ils courent? Les mecs, ils ont tellement l'air perdus quand ils courent que tu sais jamais si c'est après toi qu'ils en ont ou après quelqu'un d'autre. Ah, c'était après quelqu'un d'autre qui a déco, car les zombies ont disparu. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Toutes ces franchises qui vont disparaître, c'est triste, hein. Eh ouais. Un feu de bois, non, j'ai plutôt besoin de bouffe, là. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Makarov. Bon, si. Pour l'instant, j'irai. Ah! J'ai entendu un coup de feu. Je sais pas exactement d'où il était. De par là-bas, je pense. Bon, allez, moi je vais me faire mon épicerie tranquille. Et après, on va essayer de se dénicher ce petit bonhomme. Ouais, ouais. Bleh. Moi aussi, je peux faire bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien, 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 rien. Ça, c'est bien. Mais d'abord, voilà. Pourquoi prendre un pistolet quand on peut prendre ça? Ah, à manger. Ça, c'est cool. Allez, un petit soda pour le principe. Ah, il faudrait un bandage. Ouh, un Alice Pack. Yes. Ça, c'est bon. J'ai des trucs dans mon pack? Je crois pas, non. Prendre le Alice Pack. Ouais. Un bandage. Ah, je viens de repérer à manger. Ah, je l'ai pas vu en rentrant. N'importe quoi. Allez, les Heinz, c'est par ici. Pistolet. Une paire de jumelles. Ah, y a pas de bandage, hein. C'est quoi ça? Useless. Ah, voilà, tout ce qu'il faut. Bandage et boîte d'allumettes, nickel.
Et encore un bandage. Parfait, je peux me prendre 2 balles. Allez, on va essayer de se rusher ce bonhomme. Ah, qu'est-ce que je suis ébloui. C'est horrible. J'aurais pu y aller avec le véhicule, mais là, c'est... Bon, si vous savez quoi, je vais y aller avec le véhicule. Au moins, il me repérera, il me tirera dessus et je saurai où il est. Avec un peu de chance. Et au pire, je meurs. De toute façon, elle est mal partie, cette vie. Pour une fois que je spawn dans un endroit différent, il faut que je fasse de la merde. Magnifique, magnifique. 80 miles à l'heure. Un petit dérapage, tranquille. Alors, est-ce qu'on repère un joueur ? Non, on repère plus rien du tout. Vous avez vu le cadavre de zombie là? Ouais, vous l'avez vu. Hein. Ah! Il y a un hélicoptère qui se barre. Alors, si c'est un cadavre de zombie, ça veut dire qu'il y a un mec armé. Maintenant, est-ce qu'il est toujours là? Je sais pas. Ah non, il est plus là. Et l'hélicoptère, il est où? Alors, je sais pas si je suis pour quelque chose. Mais ça, c'était beau. En revanche, personne n'est mort, c'est-à-dire que le mec... T'as fini de faire des pas chassés? Alors, faut essayer de repérer un mec en parachute. Eh, excellent, quoi. Ça, c'était franchement terrible. Maintenant... J'ai pas vu de mec... En même temps, on meurt pas tout le temps quand... Quand on se rache en hélicoptère, hein. Ça je l'ai aussi remarqué. Donc il va falloir faire attention. Est-ce qu'on a un cadavre? On n'a pas de cadavre. Et les zombies n'ont pas l'air de s'affoler. Donc je dirais qu'il s'est expulsé avant. Hein? Quoi? Un autre hélicoptère? C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on aurait affaire à un hacker qui pop les hélicoptères? Putain, je vais arriver trop tard. Il me reste 138 balles. Où est-ce qu'il est? Ah, il se barre. Putain, je suis dégoûté. C'est possible qu'il y avait 2 hélicoptères dans cette toute petite zone, sérieusement? Franchement, j'en doute. Putain, il va encore se cracher, le con. Cette fois-ci, je vais le suivre. Oh non, il s'est rattrapé. Incroyable. Putain, mais le mec, il sait pas conduire, en fait, je crois. Excellent la chasse à l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, ça devient n'importe quoi. En plus, je me suis aggro la centaine de zombies à cause de lui, là.
GG mec. Il nous aura tués tous les deux. Ok, allez, sur cette fin déjantée, je vais vous laisser. Puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Killer, come back down. I jumped out. Merci. I need to get on the gun. Ok, pas de soucis. Il me laisse même pas finir mon épisode tranquille, quoi. C'est bon, ils ont fini. Oui, donc je disais, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Just a bit lower.